Le réseau énergie mixité existe à l'île de la Réunion depuis 2017 et il compte environ une centaine de membres. Vecteur de rencontres, de sources d'inspiration et de développement professionnel, il se mobilise en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du groupe EDF. Le réseau énergie mixité valorise les parcours des salariés du groupe EDF et les fait rayonner à l'externe et à l'interne auprès des établissements scolaires, des institutions et des partenaires de l'emploi. C'est le cas de Karine, qui est technicienne d'exploitation du réseau, et Ernest, qui est conseiller clientèle sur le call center des particuliers. Après avoir travaillé plusieurs années dans le secteur du commerce, j'ai eu l'envie de découvrir autre chose. Et actuellement, je suis technicienne d'exploitation des réseaux électriques chez EDF de la Réunion. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est le terrain, de toujours être au cœur de l'action pour garantir la qualité de fourniture pour tous nos clients et en toutes circonstances. C'est un métier qui est aussi accessible, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ils sont d'ailleurs plutôt complémentaires. Les femmes sont en général très méticuleuses et prennent le temps de l'analyse sur le terrain, ce qui est une qualité importante dans un environnement où le risque électrique il est omniprésent. Alors l'intégration s'est très bien passée au sein de mon équipe, il n'y a pas eu de forme de discrimination. Le courant passe. Au quotidien, j'interviens dans la gestion des contrats clients et j'interviens sur l'ensemble de leurs demandes. J'interviens également en soutien aux équipes pour la montée en compétences. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est d'être à la recherche de la satisfaction du client, répondre à ses besoins. Et pour moi, la qualité, l'essence essentielle, c'est l'écoute active. L'effectif masculin est encore sous-représenté dans les call centers. Donc c'est pour ça que nos actions de proximité envers les collégiens et lycéens sont essentielles afin de nous faire découvrir nos métiers. À EDF La Réunion, nous avons un taux de féminisation de nos emplois de 32%. Ce chiffre est de 46% si l'on regarde le CODIR, dont une femme dirigeante depuis cette année. Pour la quatrième année consécutive, EDF a obtenu 90 sur 100 en termes d'index égalité. Les ambitions du groupe, elles portent sur trois dimensions, donc à la fois supprimer les plafonds de verre, mais aussi travailler du coup sur la féminisation des métiers techniques. La troisième, travailler sur les parcours et l'équilibre égalité homme-femme. En conclusion, la mixité pour nous à EDF La Réunion, c'est à la fois une source de performance opérationnelle et puis de qualité et d'amélioration de nos process via la diversité des regards des uns et des autres.